Bonsoir. Voilà, bonsoir frères et sœurs, amis. Nous tenions encore à vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous tenons à vous dire merci pour vos prières, merci. Merci pour tout. Vraiment, nous avons été soutenus et nous sommes encore soutenus. Cette vidéo, je vous demande de la partager un maximum afin que le plus de gens possible la voient. C'est vraiment un remerciement de fond du cœur, car nous avons la grâce et l'honneur d'appartenir à Jésus. Et nous avons ce Seigneur qui a relevé mon fils, qui a étendu ses mains. Donc il avait quelque chose à vous dire. Je vais vous le passer deux petites secondes. Alors attendez, je tourne. Merci qu'ils ont prié pour moi. Je suis guéri grâce à Dieu. Amen. Bonsoir à chacun. Je voulais vous saluer dans le nom de Jésus. Je voulais vous partager ma joie, la force que le Seigneur m'a donnée et grâce aussi à travers chacun de vous, par vos soutiens, par vos messages et surtout par la prière. Nous voyons dans la Bible qu'il est marqué que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Amen. Nous avons vu encore pour la deuxième fois le miracle de Dieu parce que nous l'avons subi par déjà la malformation de mon fils, le grand qui a 15 ans. Dieu nous a montré comment une malformation, il pouvait tout changer, le mal en bien dans son amour, il pouvait tout confondre. Et là, une étape, une épreuve encore plus grande parce que vraiment, mon fils a touché bas. On était vraiment en train de le perdre. Il n'y avait pas autre mot, c'est vraiment ça. Mais Dieu, à travers ça, je peux vous dire la puissance qu'il nous a montré, alléluia, l'amour qu'il nous a apporté. Et ça, vraiment, j'ai même pas les mots pour vous dire comment Dieu nous a soutenus, comment il a été là au milieu de nous, la paix qu'il nous a donnée. Merci, et je peux vous dire que même dans l'épreuve que j'ai passée, qu'il n'y a pas, je pense, pour moi, pas plus grande épreuve que ça, de voir son enfant partir. Et je peux vous dire que malgré tout ça, la joie que j'ai dans mon cœur, parce que j'ai mon fils à côté de moi, merci Seigneur. Mais je vois maintenant la qualité, la grandeur, amen, la puissance de mon Dieu. Je vois combien Dieu est vivant, je vois combien Dieu est tout puissant, je vois combien Dieu est fidèle, combien il est attentif, combien il prend soin de ses enfants. Là où moi j'étais désarmée, où mon fils me partait dans mes mains, là le Seigneur il m'a montré que si même, alléluia, moi je pouvais rien, il m'a montré combien lui il aimait encore plus que moi. Amen. Parce que en un jour que les docteurs me disaient que mon fils il partait, que c'était la fin, et le lendemain mon fils était debout, il s'est mis à manger. Donc comment ne pas dire que l'évangile n'est pas la vérité? Comment, amen, ne pas fléchir les genoux devant ce grand Dieu? Comment ne pas s'humilier devant lui? Comment ne pas aller tous les jours chercher sa face en sachant combien Dieu il est grand? Et je peux vous dire que cette épreuve, je n'oublierai jamais de ma vie parce que ça a été dur sur le moment, mais combien je peux vous dire la force que ça m'a donné à moi, à mon mari. Même mon fils, il était quand même un peu comateux et quand je disais « Comment tu te sens ?», mon fils me répondait « Dieu m'a guéri par la souffrance qu'il a vue et par le soulagement des douleurs qu'il ressentait. » Même lui, à 9 ans, me confessait que c'était Dieu qui était en train de le guérir. Alors je remercierai jamais assez le Seigneur pour son amour. Et merci vraiment à chacun de vous aussi, parce que vous avez été fidèles envers votre Dieu pour prier pour nous. Parce que c'est vrai, les premiers jours, on était très fatigués, très épuisés. Mais même là où nous, on perd des forces, eh bien, vous avez été là et vous nous avez soutenus, vous nous avez encouragés. Et vraiment, c'était une puissance qui vient vraiment de Dieu. Et ça a été, je vous dis en vérité, vraiment une belle expérience pour nous. Parce que des fois, on va souvent sur des choses qui sont éphémères. On ne fait pas toujours attention. La vie offre tellement de choses que des fois, on ne fait pas attention et on néglige le temps. On ne réalise pas combien le temps est précieux et combien la vie est précieuse. Alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse à chacun de vous, que tous genoux fléchissent devant Dieu, que chacun puisse réaliser combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien nous avons besoin de lui. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans les soins intensifs. Et vous ne pouvez pas savoir comme ce temps il est précieux, parce que je dis Seigneur merci, tu nous as laissé mon fils ici avec nous
Et ce temps, maintenant, Seigneur, on veut te le donner à toi. On veut se consacrer à toi encore plus qu'avant. On veut être fervent pour toi, Seigneur. On veut être des vaillants guerriers, Seigneur, pour ton royaume. On veut briller, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. On veut montrer au monde à combien, Seigneur, tu es puissant. Combien, Seigneur, on est fiers de toi. Et il y avait ma famille qui, jusqu'à maintenant, disait qu'ils avaient leur croyance. Ils ne connaissaient pas l'Évangile. Et là, ils ont vu de leurs yeux que c'était le Seigneur, comment il agit. Et ils sont complètement confondus, ils sont bouleversés. Et je dis merci à Dieu pour ça. Soyez chacun béni au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, pour ceux qui viennent qu'à douter encore la grandeur de Dieu, j'aimerais simplement vous dire que ce Jésus que je connais, ce Jésus que beaucoup connaissent, toi peut-être qui passes par là, toi peut-être qui es dans le doute, sache que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est ressuscité. Vous savez, le tombeau est vide, et je le dis et je le répète encore. Voilà pourquoi, quand on me pose la question, quand on me parle de Dieu, pourquoi je crois. Voilà la raison pourquoi je crois. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu que j'aime, le Dieu que nous aimons et que nous partageons autour de nous, c'est un Dieu qui est vivant. Mon fils est sorti d'affaires. Merci à Dieu. Il est en soins continus. Les docteurs, le neurologue dit, je ne comprends pas, je le répète encore, il a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Et nous savons que c'est la main de Dieu. J'aimerais simplement ce soir t'encourager, frères et sœurs, t'encourager à rechercher l'essentiel dans ta vie. Regardez comme Dieu est bon, regardez ses merveilles. Et pour ceux qui me connaissent, qui venaient qu'à douter quand je leur parlais de Dieu, qui venaient qu'à douter, qui n'ont... Regardez mon fils, regardez comme il a été sorti d'affaires. Tout ça par la prière. Je veux bénir, je veux remercier mes frères du monde entier. J'ai su qu'il y avait plusieurs églises du Brésil, des frères et sœurs du Brésil qui ont prié. Mes frères et sœurs du Brésil, je vous bénis de tout mon cœur. Il y a aussi en Espagne, je l'ai su aussi, en Belgique. Je sais que pratiquement toute la France aussi en vue et tous mes frères et sœurs ont relié ce partage. Vous avez vu la main de Dieu et je vous en remercie parce que vous nous avez portés. Vous nous avez portés dans la prière. À combien à chaque fois que j'entendais ces mauvaises nouvelles qui m'effondraient, à combien je sentais que Dieu était présent et nous prions. Et on chassait tout doute qui venait simplement nous effleurer l'esprit. Nous avons continué à marcher. Nous avons continué à croire. Nous étions toujours dans la joie malgré la tristesse parce que nous savons que ce Dieu est toujours présent. Il a vu que nous étions malheureux. Il a vu que nous passons par la maladie. Et cette maladie, il avait déjà crucifié sur le bois du calvaire. Et tous les jours que nous sommes ici, nous remercions le Seigneur. Les gens autour voient aussi la grandeur de Dieu. Les infirmières, tous ont vu la gloire de Dieu. Je bénis Dieu, je rends grâce. Vraiment, frères et sœurs, je demande que vous partagiez ces messages parce que j'aimerais qu'un maximum puisse le voir pour qu'il puisse recevoir nos bénédictions, vraiment recevoir leur prière qui a été exaucée, leur prière qui nous ont supporté. Quelqu'un m'a téléphoné, ça a été coupé. Je vous prie de cela. Merci de partager au maximum afin que on voit que mon fils est dans la voie de... est déjà guéri. Il est en train de récupérer. Merci à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et ne lâchez pas la main de Dieu. Regardez quel Dieu nous avons. Et ce Dieu est accessible à tous. Soyez bénis, mes frères et sœurs.